deux mois après, de juin à aujourd'hui fin août, on retrouve un terrain complètement une calamité, tout simplement. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse avant de la quitter. C'est une catastrophe. Vous avez employé un terme, je vais employer le même terme, puisque c'est un terme que j'ai déjà utilisé avec tous ceux qui m'entourent. C'est pour moi du sabotage. Qu'on vienne pas me raconter des histoires de conditions climatiques. Je vis dans un pays où il fait 60 degrés à l'heure où on parle et qu'ils ont une trentaine de pelouses, même des clubs de deuxième division. Nous, malheureusement, on n'est pas fichu. C'est même pas fichu, c'est pas voulu. On ne veut pas. On n'a pas voulu faire en sorte que l'équipe nationale ait un terrain digne de ce nom, une pelouse digne de ce nom, comme on a pu l'avoir au mois de juin.